C'est ce souci qui guide de manière générale la politique de l'État. Nous allons bientôt terminer l'étude sur la rationalisation des directions, direction générale, des agences d'exécution. Nous allons aller vers ça. Et c'est ça qui a justifié d'ailleurs la proposition de dissoudre un certain nombre d'institutions dont la pertinence interroge. On fait de la politique dans tout, dans ce pays, mais le même objectif sera atteint dans tous les cas. Parce que je puis vous donner la primeur que le président de la République, probablement aujourd'hui, va prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour que aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. Et c'est ce souci qui nous anime quand on pose le débat sur la reddition des comptes, qui va démarrer maintenant, cette semaine même, et qui va s'étaler autant qu'il faudra. Les gens ne peuvent pas se permettre n'importe quoi à coup de milliards sur le foncier bâti, sur les marchés publics, les marchés classés secret défense, sur les concessions. Et j'en passe et j'en passe. À tous les domaines. Amasser des milliards, et on sait dans quelles conditions certes, une partie de ces fonds ont été expulsés du pays, et penser qu'ils peuvent en sortir indemnes. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a pris des mesures conservatoires pour que certains ne puissent pas sortir du pays désormais. Il y en a trois ou quatre qui ont pu s'échapper, mais s'il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront. Mais nous prendrons toutes les dispositions pour que pour que justice soit faite et que l'argent qui appartient au peuple soit ramené. Ce n'est pas de la léthargie, ce n'est pas de la lenteur, c'est qu'on prenait le soin de bien faire le travail. Et je crois que dans les jours à venir, c'est par dizaines qu'ils devront rendre compte. Si je dis tout ça. La coopérative Saint-Chalmadias est de retour. Découvrez nos terrains à bâtir. À proximité de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, ay terrain yuñu terrassé ba par ay terrain yu woor te yomb lañu leen di proposé. À Kounoun, nous avons des parcelles de 150 mètres carrés avec titre foncier. C'est ay ndeug yu yomb. Bonopi, da ngeen di dal di fay la moitié. Lu dess nak ñu étalé leen nako ci 10 mois. Manam fukki wèr. Xana du coopérative Saint-Chalmadias ñoo yomb te wori mbir. Vente auprès du notaire nak. Ce n'est pas tout. À Touba, nous avons des parcelles de 400 mètres carrés très proche du péage, très accessible. Dengay joxe à compte, moitié, restant à bisifou qui dit mieux avec Saint-Chalmadias.